Introduit au cabinet du président de la transition par le président de l'Assemblée générale, le secrétaire général de l'Union interparlementaire est venu présenter ses civilités au général Brice Clotet-Oligui-Nguema et profiter de ces instants pour transmettre de la part de l'Union interparlementaire un message de solidarité. Je l'ai rassuré des bonnes intentions de notre institution pour accompagner les autorités gabonaises dans cette vision qui vise à refonder la nation et la société gabonaise. Donc j'ai eu le plaisir d'écouter le président. Il m'a rassuré sur un certain nombre de dossiers, la nécessité de transparence, la lutte contre la corruption ici au Gabon, la nécessité de mettre en place un nouveau régime dans votre pays qui puisse assurer le bien-être des populations gabonaises. Pour accompagner le CTRI dans le processus de la transition, l'hôte du chef de l'État se dit disponible et propose l'expertise de l'organisation qui représente. J'ai pris acte de toutes ces bonnes intentions. Je m'en réjouis et j'ai promis au président de la République que j'allais tout faire pour mobiliser l'Union interparlementaire afin qu'elle puisse accompagner les autorités sous sa conduite, accompagner ces autorités dans la réalisation de cette grande ambition. Les autorités m'ont fait part d'un certain nombre d'interventions qui seront menées pour aboutir à la fin de la transition. Et il y a des éléments concernant l'élaboration d'un nouveau cadre législatif pour un certain nombre de domaines, y compris le code électoral, la constitution elle-même. L'Union interparlementaire peut faire valoir sa propre expérience, puiser dans la pratique internationale pour proposer aux autorités gabonaises compétentes cette expertise sans vouloir se poser en donneur de leçons ou sans imposer une solution au peuple gabonais. Le secrétaire général de l'Union interparlementaire annonce la mise en place d'une feuille de route devant accompagner la transition au Gabon.